Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo. Alors déjà je vous invite à cliquer sur en description pour voir la vidéo précédente. Parce qu'il y a une vidéo qui a été faite déjà sur le même sujet, donc qui est My Boyfriend sur MSP. Donc j'ai rompu avec mon copain sur MSP. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour comprendre celle-ci. Et du coup bah, je me suis connectée, je commence à répondre un petit peu à des messages. Et puis je tombe sur un message qui m'interpelle. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va remonter en haut. Donc, je vous montre pas les messages qui ont été faits, qui ont été faits bien avant. Donc, voilà. Donc, ça commence à partir de là. Alors, j'ai reçu le message là, Quinzel, tu me manques. Alors, rappelez-vous, hein, team boyfriend, c'est un team boyfriend de Quinzel. Bon, même pas de cuffetu niveau 3, hein. Mais c'est pas grave. Et Tim et on a rompu avec Tim il y a quelques semaines, je crois. C'était ça en semaine. Ça doit être l'année dernière, je crois encore. On a rompu ensemble, hein, alors que bon, hein, je ne savais même pas qu'on était ensemble. Et finalement, il me recontacte en me disant que je lui manque. Et je lui dis, bah t'es encore là, toi. Alors je m'attendais pas à qu'il me réponde, mais il me dit, écoute, toi, si tu peux pas te passer de moi. Et moi, je lui dis, ah bon, il fait un petit cœur. C'est trop mignon. Oh mon dieu. Et bon, qu'on se remet ensemble. En plus, depuis ta vidéo, je reçois plein de messages. Alors, apparemment, vous lui renvoyez plein de messages. Il est devenu famous sur MSP. Ah bon, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez lui envoyer des messages. Je ne suis absolument pas jalouse. N'hésitez pas à lui envoyer des messages. Hein. N'hésitez pas. Hein. Et moi, je lui ai dit, genre quoi, ben, pourquoi on n'est plus ensemble. Donc, apparemment, vous lui aurez envoyé des messages pour lui demander pourquoi on n'était plus ensemble. C'est assez marrant. Et moi-même qui ne sais pas pourquoi on n'est plus ensemble, je lui demande et pourquoi on n'est plus ensemble. Tim, pourquoi tu m'as quitté? Et il me dit bah à cause de tes abonnés. Et là je suis là genre en mode MDR. Non mais c'est une blague. Mais c'est une grosse blague. Et il me dit tu leur parles trop et trop à des gars. Et là moi je suis ah ok je comprends. Et il me dit je suis prêt à passer à autre chose. Du coup, moi, j'étais tellement pétée au moment où j'ai reçu ce message-là. J'ai tellement rigolé. Mais je me suis tapé un fou rire comme jamais. Hein. Je crois que tous mes voisins m'ont entendu. Et du coup, bah, j'écris, bah, je décède, quoi. Enfin, bref, la façon de dire comme quoi je rigole, bah, un peu comme dans les Sims. Vous vous rappelez, je suis morte dans les Sims, morte de rire. Et voilà, c'est pareil, je décède tellement je rigole. Et il me dit, meurs pas de suite. Alors, le mec, il s'en fout que je meure plus tard. En gros, c'est pas tout de suite. Hein. Plus tard, tu peux mourir, mais pas maintenant. Faut qu'on se remette ensemble. En gros, faut pas que je meure pour me remettre avec lui. Il est marrant. Il est rigolo. Et bah, je lui réponds, bah, je vais essayer de survivre, quoi. On va essayer de survivre, on va essayer de remonter cette passe. Il me dit, lol. Donc, si tu m'as quitté, c'est à cause de mes abonnés. Et il me répond, surtout les gars, ouais, mais je comprends, tu t'es égaré. Ouais. Comme telle une brebis, je me suis égaré parce que je parlais trop bah, à vous, hein, tout simplement. Et surtout, plus spécifiquement aux garçons, hein, savoir quand même que sur ma chaîne, on est 80% de filles pour 20% de garçons, c'est prouvé statistiquement. Surtout les gars, ouais, mais je comprends, tu t'es égaré. Et ça arrive, mais je te pardonne. Ok, carrément. Il me pardonne, hein, carrément. Hein. Et je suis, ah! Il me fait la YouTube monnaie, alors pourquoi il dit ça? C'était par rapport à... Je me suis égarée, ouais, par rapport au fait que je me sois égarée avec les garçons, la YouTube monnaie. Hein. Je me croirais limite dans un clip de rap, vous savez, mes versions filles, c'est-à-dire avoir plein de garçons autour de moi et puis je suis en train de balancer de l'argent tellement j'ai de billets, tu vois, c'est... J'en peux plus, mais je n'en peux plus. Rien que d'avoir cette image-là dans la tête, je suis en train de mourir, je décède, je me fais axe une troisième fois dans cette vidéo. Et je lui réponds, bah c'est vrai, hein, je suis michto, hein, c'est clair, hein, on le savait tous. C'est pas ce que je dis, mais oui, mais bon. Alors là, le mec, il a le culot quand même, il dit, mais c'est pas ce que je dis, mais oui. En gros, il confirme ce que je dis, je suis une michto. Mais c'est pas ce qu'il a dit, hein, mais je suis une michto quand même. Mais bon, t'inquiète. Et je lui réponds, bah tu me pardonnes hein, d'être une michto, de parler à des garçons, d'avoir de la YouTube monnaie. Il me fait, oui, chérie, tu sais que je t'aime. Oh là là, avec un petit cœur. Et je réponds XD, ok, bon, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Il me dit, ok, un petit cœur, et j'ai pas encore répondu. Je vous invite à m'écrire dans la enfin, en commentaire si vous voulez ou pas qu'on se remette avec Team Boyfriend de Quinzel, hein, juste pour rigoler, voir essayer de lui reparler une troisième fois, je sais pas s'il répondra, hein.
Parce que la dernière fois, c'était il y a genre quelques semaines. Je suis tombée dessus, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on le recontacte ou pas. Pour voir si on peut rigoler encore un petit peu. Enfin bon, je pense qu'il... Voilà, je sais qu'il troll, je sais qu'il a sûrement vu la vidéo. Sinon, il m'aurait pas dit qu'il y a plein de gens qui l'ont contacté, donc il doit être au courant pour la vidéo. Mais moi, ça m'a fait rigoler, c'était marrant, j'ai bien aimé. Et du moins, moi, je fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Gros bisous à vous, portez-vous bien en attendant. Ciao, ciao!